Gwendoline Daudet aura le numéro 12. Deuxième l'année dernière sur 500 mètres. Championne de France du 1500 mètres hier. Numéro 5, Aurélie Levecque. Troisième hier du 1500 mètres. Troisième l'année dernière, pardon, du 500 mètres. Bérénice Combi aura le numéro 18. Chloé Olivier, le numéro 2, qui est monté sur le podium hier pour décrocher la médaille d'argent du 1500 mètres. Et puis cinquième et dernière qualifiée, Eva Grenouillou avec le numéro 13, troisième du 500 mètres l'année dernière. Oui. Nous avons deux patineuses du club de Fontenay-sous-Bois, une patineuse du club d'Échirolles, une patineuse du club d'Orléans et une patineuse, Chloé Olivier, du club de Cholet. Et regardez, elles sont toutes un large sourire, elles sont toutes détendues, c'est ça qui est agréable aussi à voir, avec ce large sourire chez Chloé et Olivier. Et puis elles s'applaudissent entre elles, donc beaucoup de fair-play. Beaucoup de fair-play, Beaucoup de fair-play, mais à partir du moment du ready, le fair-play va moins exister. Va moins exister, là les visages se ferment. Parce qu'il y a une médaille à aller chercher, il y a un titre de championne de France à aller chercher. Surtout prendre un très bon départ avec Gwendoline Daudet qui est à la corde. Allez, c'est parti. C'est un très bon départ de Bérénice. Bérénice, mais elle ne s'est pas laissée surprendre Gwendoline. Mais Bérénice. Joli. Bérénice, c'est joli ce qu'elle réalise. Oui, elle a fait double départ. Un double départ en ligne droite. Il va falloir aller la chercher. Elle est partie très très fort. Ah oui, il va falloir toute l'expérience de Gwendoline maintenant pour tenter de revenir sur Bérénice. Elle va vite, Bérénice, est-ce qu'elle va tenir jusqu'au bout? Il va rester deux tours à parcourir. C'est là où ça va commencer à brûler dans les cuisses et dans les jambes. Attention. Parce qu'il va y avoir la pression derrière de Gwendoline qui va aller lui faire ça probablement prépare, l'intérieur. Ça prépare, et, et le dernier tour, et Gwendoline qui repasse devant. Chloé Olivier, et puis Aurélie Lévesque par l'intérieur qui va faire une petite faute sur... Oh là là, c'est Chloé Olivier. Et Gwendoline. Ça fait une troisième place pour Bérénice Combi. Aurélie Lévesque en deuxième position et Gwendoline Daudet comme sur le 1500 mètres. Exactement, le doublé pour Gwendoline. Qui rapporte le titre de champion de France sur le 1500 mètres. Et qui succède donc au palmarès à Tiffany Huot-Marchand qui avait réalisé le triplé, on vous le rappelle, l'année dernière, 1500, 1000 et 500. Il a fallu aller la chercher cette course pour Gwendoline. Ouais, il a fallu aller la chercher. Puis il y a une petite discussion avec les juges, donc je me pose la question de savoir s'il n'y a pas une petite faute en entrée de virage d'Aurélie Lévesque sur Bérénice Combi, parce qu'elle perd quand même sa place. En tout cas, ça ne changera rien pour Bérénice, pour Gwendoline, pardon. Ça ne changera rien pour Gwendoline, bien sûr, elle sera quand même championne de France, mais est-ce que... ça discute. Parfait. Alors, on va tout vous avouer, grâce à vous, Ludovic, on a réussi à retarder de quelques instants le départ. Vous avez réussi à retarder de quelques instants le départ de cette finale du 1500 mètres féminin. Merci, Ludovic. Et cette finale à 7, on a récupéré. Se sont qualifiées les trois premières des demi-finales tout à l'heure, plus la meilleure quatrième. Oui, donc nous avons 7 patineuses au départ de ce 1500 mètres, 13 tours et demi à faire, c'est la finale A. On va délivrer le titre de championne de France sur cette distance du 1500 mètres à l'issue de cette finale. Allez, sur la ligne de départ, la numéro 2, Chloé Olivier, numéro 13, Eva Grenouillou, numéro 5, Aurélie Levecque que vous avez à l'image, numéro 1, Maïwenn Langevin que vous voyez ici également à l'image, Gwendoline Daudet à surveiller évidemment de très très près, vice-championne de France en titre avec le numéro 12, numéro 18, Bérénice Combi et numéro 21, Lisa Victoria Ngo Moua. Deux patineuses de Cholet, deux patineuses de Fontenay-sous-Bois, une patineuse d'Échirolles et deux patineuses d'Orléans au départ. 13 tours et demi à effectuer et ça va aller très très vite pour cette finale. Qui pour succéder au palmarès à Tiffany Huot-Marchand, pour qui on a une immense pensée, peut-être est-elle derrière son poste de télévision pour regarder qui va lui succéder au palmarès de championne de France, elle qui aurait évidemment tant aimé être là après cette grave blessure survenue il y a de ça quelques semaines du côté des Pays-Bas. Et évidemment, on lui souhaite un prompt rétablissement et on espère la retrouver le plus vite possible sur les patinoires. Sans oublier Aurélie Monvoisin, qui est aussi une patineuse qui a été blessée à la cheville, qui aurait été là aussi et qui aurait été présente au podium sur ce 1500 mètres. Donc là, nous sommes dans la phase de positionnement avec Gwendoline Daudet qui va reprendre la tête dès le début de cette course. On voit les patineuses qui commencent à s'agiter. Ça passe par l'intérieur. Ça se positionne.
deuxième position juste derrière elle, hein, en embuscade Aurélie Levesque. Guadoli qui tire toujours la tête du peloton. Il va rester 8 tours sur la ligne en face. Ah, Chloé Olivier qui passe par l'intérieur, qui va commencer à chahuter un petit peu le peloton. Bérénice Secombi qui s'est positionnée en troisième position et qui se positionne même à l'intérieur. Maintenant Bérénice en deuxième position, juste derrière Gwendoline Daudet, toujours devant. Gwendoline Daudet qui est toujours en première position, toujours devant dans cette finale. Elle qui maîtrise, tout à l'heure, elle avait quand même maîtrisé également de bout en bout sa première demi-finale. Ça y est, ça commence à s'agiter un petit peu avec Aurélie Lévesque qui passe par l'intérieur maintenant sur Bérénice Combi. Ça frotte un petit peu, Bérénice Combi qui est toujours devant. Eva Grenouillou qui tente aussi par l'intérieur, qui loupe son dépassement. Ça va créer un petit peu d'espace pour les trois premières. Là, vous avez Aurélie Lévesque qui attaque par l'intérieur sur Gwendoline Daudet. Ça y est, la finale est lancée. Il va rester trois tours en passant en face. Et Aurélie Lévesque est en tête pour l'instant avec Gwendoline Daudet en embuscade juste derrière et toujours en troisième position Bérénice Combi. À deux tours et demi de l'arrivée, Aurélie Lévesque toujours en première position. Gwendoline Daudet qui prépare un dépassement par l'intérieur. Oh là là. Et Bérénice Combi par l'extérieur. Aurélie Lévesque et c'est Chloé Olivier qui prend la tête, la deuxième position à ce moment-là. Et à tour. Et Gwendoline toujours devant Gwendoline avec une grosse, grosse attaque qui est en train d'être portée par Chloé Olivier qui avait terminé l'année dernière. Ça joue sur la ligne, c'est énorme. Ça se joue au patin et c'est Gwendoline Daudet. Chloé Olivier. En deuxième position. Exactement, deuxième position, oui. Et nous aurons Aurélie Lévesque en troisième position de ce 1500, un 1500 mouvementé avec beaucoup de dépassements, de la vitesse en fin de course. Et du suspense dans le dernier tour. Et du suspense avec un retour incroyable de Chloé Olivier qui est revenue de l'arrière du peloton pour venir prendre la deuxième place de ce 1500 mètres. Ah ben, du coup, Chloé Olivier qui grimpe d'un échelon par rapport à l'année dernière. Même chose pour Gwendoline Daudet qui avait terminé deuxième et donc qui succède au palmarès à Tiffany Haute-Marchand. Et puis Chloé Olivier qui avait pris la médaille de bronze et qui cette année eh bien, décroche la médaille d'argent. Ouais, donc un podium qui a été un peu perturbé par rapport à la saison passée. Place à la finale désormais. La finale qui va finale donner du 1000 mètres. Le titre de championne de France de ce 1000 mètres. Ouais, pour succéder au palmarès à Tiffany Haute-Marchand. Est-ce que Gwendoline Daudet va faire le triplé? Ah, en tout cas... Elle a toutes les cartes en main et sur ce qu'on a vu sur le quart de finale et la demi-finale, elle semble encore une fois bien en jambes. Finale du 1000 mètres féminin, Gwendoline Daudet numéro 12, Bérénice Combi numéro 18, Chloé Olivier numéro 2, Eva Grenouillou numéro 13 et Aurélie Lévesque avec le numéro 5. Gwendoline Daudet, déjà double championne de France sur 1500 et sur 500 mètres. Oui, donc deux patineuses de Fontenay-sous-Bois, une patineuse d'Orléans, une patineuse d'Échirolles et Chloé Olivier, la patineuse de Cholet, qui est en train de te présenter par notre speaker, ouais. Alexis Sodogas. Eva Grenouillou, numéro 13, Aurélie Lévesque, vice-championne de France sur 500 mètres. Bérénice Combi, médaille de bronze sur 500. Chloé Olivier, qui est également au départ, médaille de bronze sur le 500 mètres. Et Aurélie Lévesque, donc je viens de vous le dire, médaille de bronze sur le 1500 mètres. Donc, des patineuses du Pôle France de Font-Romeu qui prennent le départ, 9 tours, et c'est parti. Allez, c'est la finale, donc, et c'est parti. Chloé Olivier qui prend la tête de cette finale. Et Aurélie Lévesque légèrement à l'extérieur, suivie par Eva Grenouillou qui pique à l'intérieur pour prendre la deuxième place. C'est bien fait ça de la part de Grenouillou. Ouais. Très bien. Gwendoline Daudet en attente. Oh oui, dernière là, Gwendoline. Elle prend le temps de voir le positionnement de ses adversaires. Aurélie Lévesque qui passe par l'intérieur. Ouais, elle accélère. Gwendoline, elle accélère. Ouais, elle y va à l'extérieur. Elle y va par l'extérieur. Elle vient d'en remonter 4 d'un seul coup. Enfin, 3 plutôt. Et mais voilà, 4. Et elle prend la tête. Oh, en un tour. En un tour, elle est passée de la 5e à la première place. Dépassement plutôt facile pour Gwendoline Daudet. Aurélie Lévesque par l'intérieur, ouais, sur Chloé Olivier. Il a tenté une accélération, ça n'a pas fonctionné. Ah, ça se bat. On vient de passer le cap de la mi-course. 4 tours à parcourir. Gwendoline Daudet toujours en tête. Aurélie Lévesque en deuxième position, Chloé Olivier en troisième position, Bérénice Combi à la chasse,
Il reste ça va se trois jouer tours entre Bérénice et Gwendoline. Chloé Olivier par l'extérieur. Aurélie est là. Chercher l'extérieur. Est-ce que ça va pas l'amener à perdre sa troisième place à Chloé Olivier? Elle résiste bien pour Scooby, l'instant, Gwendoline. Qui tente le deuxième position. Oh, une faute. Oh là là, oh, là là là. Aïe aïe. Oh, ça a été chaud. Ah, il va y avoir, ouais, il va y avoir l'intervention enquête des juges. Et Chloé Olivier qui tente. Là, allez, Gwendoline, deuxième place. Eh bien, Gwendoline. Gwendoline qui fait le triplé. Deuxième place pour Chloé. La troisième place, on va attendre ce que nous indique Alexis. Bah oui. Puisque lui, il était véritablement placé sur la ligne d'arrivée. C'est ça. Et les juges sont en pleine concertation pour nous donner leur verdict. La décision des juges. Ah, ça y est, ils ont pris leur décision. Ils vont vers la table de marque. Décision. Ah. En tout cas, il y a une décision qui a été prise. On a eu des grands signes. On écoute une pénalité. Alors on revoit, c'est ici hein, qu'il s'est passé quelque chose. Alors est-ce que c'est Aurélie Lévesque qui fait la faute? Donc, pour Bérénice. Bérénice Combi. Alors Bérénice Combi qui est disqualifié pour un passage illégal. Donc qui part de l'intérieur et qui vient se rabattre vers l'extérieur. Et qui frappe donc Aurélie Lévesque qui elle-même frappe Chloé Olivier. Mais étant donné que c'est pas ricochet. Hein. C'est pas ricochet. Mais Aurélie Lévesque ne fait pas de faute puisqu'elle est emportée par Bérénice Combi. On voit bien sur l'image que Bérénice Combi fait le forcing sur Aurélie Lévesque. Gwendoline Daudet, donc ça ne souffre d'aucune contestation. Championne de France. Eh bien, elle aura fait le triplé, Gwendoline. Aurélie Lévesque est donc vice-championne de France. Et voilà Chloé Olivier qui prend donc la médaille de bronze. Et bien voilà. Et bien voilà, c'est surtout, on retiendra surtout le triplé de Gwendoline Daudet. Elle a gagné donc ses trois distances. Gwendoline qui a décroché les trois titres. Hein. Victorieuse sur 500, victorieuse sur 1000 et victorieuse sur 1500. Un week-end parfait. Habitué au podium. Gwendoline, vous, quand vous faites le déplacement quelque part, c'est pas pour rien, hein, c'est pour tout rafler. Ouais, j'ai réussi à pas faire les choses à moitié cette année et à parer d'or mon voyage. Du coup, je suis assez contente. Vous repartez avec une valise beaucoup plus lourde qu'à l'aller. Ouais, c'est ça, trois titres. En plus, c'est mes premiers titres au championnat de France élite, donc je suis assez fière. Qu'est-ce qui a été le plus dur finalement? Le 1500, le 1000, le 500 laquelle des courses vous a rendu le plus fière? Le 500 mètres, parce que comme je disais hier, c'est pas ma distance de prédilection. Je suis pas une sprinteuse, je suis beaucoup plus à l'aise sur les distances un peu plus longues. Le 1000 aujourd'hui, c'était ma distance phare. Du coup, j'étais contente de la courir. Mais ouais, le 500 mètres, ça a été la plus dure à aller chercher. Et du coup, celle dont je suis plus fière. Voilà, c'est donc la plus belle satisfaction pour Gwendoline qui termine ce week-end avec un large sourire. Jeudi, je vous demandais comment vous alliez fêter votre premier titre. Donc on est samedi ce soir. Je vous repose la question, comment vous allez le fêter votre titre? Ne me dites pas que vous allez attendre demain soir 18h. Je vais peut-être fêter un peu en amont ce soir et compléter demain avec la potentielle victoire. Mais ouais, non, là, j'ai de quoi fêter ce soir. Donc. Et puis cette fois-ci, on n'est pas embêté par Sébastien, c'est bizarre. Hein, c'est ça, bah ouais, cette fois-ci, ça ne sera pas Sébastien que vous aurez après moi. Ça sera peut-être plus soft. Peut-être, sait-on jamais. En tout cas, merci et puis on se donne rendez-vous l'année prochaine. Bah, à l'année prochaine, merci beaucoup.